Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la période de l'épisode de Starbound V5, Glad Giraffe. J'ai failli en chier, j'ai failli me louper. Donc, Arcus Mining Facility Contributing, donc un diamant. Donc, il faudrait qu'on aille chercher un diamant. Donc, j'imagine potentiellement sous terre. Mais avant ça, on va quand même peut-être commencer à mettre quelques petites choses dans notre vaisseau. 24, parce qu'on a plus gros que 24. 24, 16. 16, 24, 24, 16, et on n'a pas plus gros, 16, 16, bon, on n'a pas plus gros, on n'a pas plus gros, et bah tant pis, on va mettre celui-là, j'avais vu quoi d'autre en 24, celui-là, non? Non, passe pas. Donc là. Ah, si, là. Là, ça passe. Tout ce bordel-là, on peut le mettre dedans. Hop. Ok. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'autre ailleurs? Par exemple, ceci, est-ce qu'on peut le mettre là? Non. On peut mettre quelque chose là. Oui, ça va être le bordel dans ce vaisseau, hein, pétain. Alors. J'aurais peut-être dû commencer par des box. Peut-être été plus intéressant. Hop, je vais les récupérer. Hop, c'est pas grave. On fout tout le bordel là-dedans. Tout le bordel là-dedans. Dans. On met notre casquette qu'on a pu choper donc récemment dans une quête. Alors. Au niveau des gros, ça passe pas. Donc déjà, je suis baisé. Au niveau des petits, ça passe pas non plus. Donc je suis sur-baisé. Si je mets ça là. Hop, parfait. C'est toujours ça de près. Et ça aussi. Bon. Hop. N'inquiétez pas, je vais tout récupérer ensuite. Enfin, tout ce qui m'intéresse ensuite, je le récupère. Hop, 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 hop. Donc, ça, je récupère. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. J'aimerais récupérer aussi, tant qu'à faire, hop, les différentes dyes qu'on pourra faire, donc les différentes teintures qu'on pourra faire. Ici, je récupère les cordes, forcément. Pour le reste, on est plutôt bon. Ici, en tout cas, ici, je récupère rien de plus, si ce n'est peut-être ceci. Est-ce qu'elle passe? Elle passe, parfait. Là-dedans, je range les choses apparemment importantes que je devrais garder. Voilà. Et on est bon. On est bon. Donc il n'y a plus que. Hop. Le diamant à aller chercher. Et on pourrait aller se présenter donc à la mission ensuite. Alors. Allons chercher ce diamant sous terre. En plus sur une planète désert, ça devrait être assez rapide de rejoindre là. Oula, il y avait de. Ah non, c'est le sable, c'est vrai. J'avais oublié ce malheureux petit effet. Hop. Descendons, ennemi droit devant. Ok. Alors. Voyons voir si on peut descendre un peu plus bas. De cette manière. Apparemment, c'était pas le meilleur endroit pour le faire. Parfait, on descend. Oh, un bloc en dur. Non, pas un bloc en dur. Hop. Wow! Aïe! Donc, apparemment, elles se font des dégâts mutuellement. Aïe! What? Ah putain, c'est le pic juste à côté qui m'a tué. Nom de Dieu! On va perdre tous les superbes crédits qu'on avait. Enfin, pixels qu'on avait réussi à avoir. Donc, on va peut-être changer de planète. C'est pas grave, on va peut-être changer de planète. On va peut-être changer de planète. On avait une forêt et deux forêts l'une à côté de l'autre. On va prendre la A, comme ça on pourra faire la B ensuite. Je n'ai pas accès encore au refueler. Je voulais voir aussi au niveau des dyes, chers amis. Au niveau des dyes, donc D, Y, E. White dye, il nous faut donc pour cela du... Ah, il nous faut des bottles, d'accord. Ah, c'est pas con.
c'est pas là. C'est pas là non plus, ce serait donc ici. Ah oui, effectivement. Un tirigan, un trigan, un trigan, un trigan. Un petit bottle. Voilà. Hop. Si on faisait une armure noire. Hop. Voilà. Donc si je me mets en 7, comment ça marche? Clic droit, non, même pas. Oh si, ça y est, c'est clic droit. Ouh! Et je suis passé entièrement en noir. Et est-ce que j'en ai encore? Est-ce que j'en fais encore une pour remettre mon sac à dos en noir aussi? Ça l'a pas des masses mais en noir. Bon, c'est pas grave. Beam down. Descendons. Alors. Ah bah merde, il fait nuit ici aussi. On va essayer de trouver une crotte. Hein. Pardon, une grotte, excusez-moi, c'est l'habitude. Bon, c'est déjà un bon départ. Ah oui, c'est vrai, on peut finalement récupérer donc les liquides, exact. Exact, exact, exact. Hop, on en a suffisamment récupéré. Bah quoi que de toute façon ça sert à rien, on va devoir tout récupérer ensuite. Sauf si ça nous aide dans notre chute. Bon, remarque, c'est déjà fini. C'est pas plus mal. Allons-y. Hop. Oh. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, il y a une pièce environ par là. Non, je me trompe? Bon. Voyons voir. Hein. Oh, il n'y avait pas de fond. Alors ça, il y a des poissons par contre. Oh là là. Je vois cependant ici un monstre. Alors. Ok, donc c'est pas encore avec ça que je vais le buter. Grenade launcher, c'est lequel qui avait une flashlight? Merde, j'ai viré l'arme, j'avais une arme qui avait une flashlight normalement. Ok, bon bah écoutez. Si je l'ai eu, c'est tant mieux. Nous avons donc un espèce de micro-donjon ici. Micro-donjon qui, ma foi, n'est pas très accueillant non plus. Hein. N'exagérons rien. Ok. Ok. À quoi va-t-il mener? Si vous me dites à d'autres grottes, ça va pas le faire. Aïe. Oh, même dans la chute, ça le ralentit, le pauvre. Hop. C'est quoi, la bestiole? Hop. Il y avait une drôle de bestiole avec lui. Hop. Ah, c'est lui qui brillait, d'accord. Ok, intéressant. Oh, c'est quoi dans le fond? Regardez. C'est quoi ces machins dans le fond? Il y aurait des espèces de robots? C'est très bizarre. C'est très très bizarre.
Ok. De toute façon, nous on descend, hein. Ok, une espèce de tombe. Vide, cependant. Oula, j'ai eu du bol. Pas prendre de dégâts, je veux dire. Eh ben dis donc. C'est qu'il est gigantesque en plus, ce micro-donjon. Tout ça pour un diamant. Saloperie d'escargot. M'en fous. Je t'aurai tôt ou tard. Tiens, bouffe le poison. Bah alors, t'auras servi à quoi de te protéger? Ah, rien. Bouffe le poison. Hop. Tu le sens, mon gros poison? Les deux, on a eu, parfait. Du PQ, génial. Bon, bien, continuons à descendre. Hein. Hop. On verra bien ce qu'on va y trouver. Techniquement, plus on est profond, plus on aura la chance de trouver un diamant. C'est tout ce que je... Oula. Un instant. Voilà, re, chers amis, excusez-moi, j'ai eu un léger retour à Windows. Qui m'a un petit peu inquiété vis-à-vis du reste de la vidéo. Mais il y a des bandits, apparemment. On va peut-être éclairer un petit peu la zone avant. La question est de savoir s'il est seul ou non. Tu le sens, mon poison? Oh, ça c'est génial. C'est pas le diamant qui nous intéresse, mais c'est génial quand même. Petite loupiote. Ok, là ça pue. Oh. Voilà. Ok. Un coffre. Xiali Polyplugger. Un lance-roquette aussi rapidement dans le jeu. Et B. J'ai bu de l'alcool. Ok, c'est cool. Ok, juste pour voir la... Ah, il est stylé. Il tient des jolis trucs. Oh. J'aimerais voir en fait si je peux me prendre des dégâts avec lui, à cause de lui. Non, voilà, merci. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pu tirer un bon nombre de coups sans qu'il se... sans qu'il y ait un problème de commande d'énergie. Ce qui est assez intéressant. De ce côté... Ah non, de Dieu, j'ai dit de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Ah bon, ça c'est pas très intéressant, c'est du cuivre. Oh putain. Ah, oh, il y a vraiment des mobs qui ont de la chance. What? Boum. Oh, lance-roquette, monsieur. Alors, faisons un essai.
Aïe. Ah, mais ça... pourquoi ça part comme ça? Mais c'était pas si compliqué pourtant. Boum! T'as déjà vu Wanted? Je l'ai fait dévier les balles moi aussi. Regarde ça. Hop. Mais dis donc, c'est joli par là. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est joli. Enfin, à quoi ça correspond, c'était relatif, mais... je vois ce que c'est, mais je vois pas... D'accord, c'est une espèce de petit village en plus qui plus est. Là, y'a rien, là, y'a des pixels, d'accord. Ok. Ok. Oui, je cache tous des gens que je connais pas. Et alors? Ça m'arrive aussi chez les gens que je connais, hein. Merde. De comment ça fait. J'aurais dû en douter, m'en douter. C'est une habitation de Floran. Putain. Qu'est-ce qui... oh. T'as planqué un truc en dessous. Et t'as rien dit. Aïe. Ok. Vous voulez vous la jouer comme ça. Alors maintenant les Floran ils se planquent sous terre. Ils ont compris qu'ils allaient avoir... il n'y a pas que les Floran en plus. What? Eh, il va te retenir. Hop. Et hop. Ok, donc je suis dans la merde si je veux remonter. C'est pas grave. J'ai quelques cordes à mon arc. Moi. Hop les. Alors? Y'a du respect ou y'en a pas? Bonjour. Pardon, excuse-moi, je viens de te mettre à la porte de chez toi. Ouais, je suis d'accord, toi t'es un bon mec. Faites attention, Floran. Ouais, même les PNJ ils le disent, Black Moon. Voilà, ça c'est pour ta petite tronche. Et bim! Mais je t'aime quand même. Et tu vois que même les PNJ sont d'accord avec moi. Hein. Eh ouais. On a du talent, on en a pas. Bon, il est où ce diamant par contre? On a du diamant ou on en a pas non plus aussi, c'est pareil. Alors. Non, t'as que du cuivre à me filer, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh putain. Des pixels. Wouhou! Ok. Oh. Putain, il m'envoie des... oh là là. Oh, il a lâché un truc bizarre. Phase Matter. Ah, c'est encore un des machins que je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, pourquoi pas. Oh non, pas toi. Pas toi. Hop, parfait. Oh. Bonjour. Ce son qui est toujours aussi creepy d'ailleurs. Alors l'objectif c'est que je descende normalement les gars. Les gars et les filles d'ailleurs. Hop, attendez, je me gratte le nez parce que voilà. Parce que oui, ça me chatouille le nez. Alors, bon bah. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. What? Pourquoi toutes les lumières sont éteintes d'un seul coup? Ah, j'ai changé de biome. Oh. Oh, un biome un peu plus cave. Oh, un coffre. Pistol. Oh. Le pire, c'est qu'il a l'air assez badass.
C'est bête. Ce sont des choses qui arrivent, chers amis. Puisse-t-il vivre un peu plus bas? Alors, passons. Progressons. Ok, c'est pas par là qu'on va progresser. Ligne droite. Oh. Eh ben non. Hop les. Esquive. Oula. C'est la même? Non, c'est pas la même. Oh. Ah, puis je me cogne dessus, c'est bon à savoir. Ok. Pourquoi pas? Apparemment, il y a aussi des monstres. Des monstres un petit peu abrutis. Juste pour voir. Ah! Hop! T'as essayé. Eh ben, t'as perdu. Par contre, je vais prendre un petit bout de steak parce que j'en ai besoin. Un steak, s'il vous plaît. Saignant. Je peux me le mettre dans le fion? J'avais pas pris un steak tout à l'heure. J'aurais juré que si pourtant. Bon, bah on va bouffer une carotte. Réduit à manger des carottes. Hop. Ouais, ouais. Faites gaffe, hein, je vous ai à l'œil. Ça aurait été cool pendant que vous. Hop. Voilà, que vous subissiez les dégâts des pièges. Merci. Hop, ici on avait quelques pixels et quelques petits objets intéressants. Là, les matter chips, c'est ça? Non, les matter manipulateurs comme qu'on parle. Si tu le dis. Oh, 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 oh. En. C'est pas comme si c'était la troisième fois que je vous passais devant le nez. Hop, ça c'est quoi? Pistol. Oh, mais il est encore mieux que le mien! Et il tire des balles vertes, c'est ça? Ouais, c'est peut-être pas top ça. Enfin bon, on verra bien! Ok, alors. Toujours rien. Bon. Oh, encore un micro donjon. Ok. Pourquoi pas. Allons-y. Oh. Où est le piège? Grenade launch. Putain, qu'est-ce que je disais? Ouais, tu passes à travers la matière. Quinze, vingt, ouais, je le prends juste pour le plaisir. Oh de Dieu. Il y a de la sale bête. J'avais oublié ça. Aïe, dégage. Putain. Je vais encore crever connement. Pétoche. Boum. Putain. Saleté. Saleté. Juste pour voir, question. Ah oui, ça marche.
Hop, touché. Touché. Apparemment, eux aussi, ils chassent le monstre. Il y a un coffre. Je l'ai vu. Ah, bla. Okay. Oh. Ça m'intéresse, par contre. À la place de l'épée, tiens, on a déjà une arme de corps à corps. Donc vous mettez le clic gauche et vous tapez. Appelez. Ça me semble efficace, on va rigoler. Minute. Hop là, je peux pas passer. Merci, je préfère. Oh. Des graines de canne à sucre. Écoutez, pourquoi pas. Non, laisse-moi. Vas-y, bouffe mon poison. Appelez, voilà. Merci. C'est qu'elle est profonde, cette planète, putain. Je me doutais que j'allais tomber sur des gens que j'allais pas apprécier. Oula. Oh merde. Oh merde, c'est lui qui les a butés. Appelé, je l'ai vu. Alors le marteau, ça doit être cool. Mais alors tout seul, ça doit être très très chiant. Parce que le temps de charger et de relâcher, parce qu'on peut pas à moitié recharger et relâcher. On est obligé de charger à fond et relâcher. What? J'aime bien parce qu'il m'a vu, il a fait. Oh, tiens, il y a quelqu'un. Aïe. Bah, au final, c'est pas plus. C'est une épée qu'ils ont? C'est quoi qu'ils ont dans les mains là devant eux? M'intéresse ça, moi. Alors. Voilà. Allez, tire. Tu vas crever, oui. Appelez. C'est une arme? C'est son arme? Vous avez pas l'air con quand même. Mais... Alors lui, comme il peut pas m'atteindre en fait, il s'est barré. Un jour ou l'autre, bah oui, bien sûr. Tiens, regarde, c'est moi qui vais t'avoir. Hop les. Respecte mon autorité. Ouh, une tech supplémentaire au prochain arrêt sur le vaisseau. Encore faut-il qu'on y remonte. Hein. Rien. Et rien. Intéressant. Alors, vraiment rien du tout par là. Ah, il me saoule celui-là. Bim. Vas-y, viens. Viens, je t'attends. Là. Viens, je t'attends. Ah, on arrive à la lave, donc on devrait techniquement être à la bonne hauteur pour trouver des diamants. Techniquement. À vrai dire, j'espère en avoir trouvé un peu plus tôt. On est vraiment à la lave en fait, oui, on est. Ah, du coup, t'es à la lave. Il y a de l'argent en bas.
Bon, on va progresser par là. Hop. Je vois encore un donjon, potentiellement avec un diamant dedans, peut-être. Ce serait cool. Oh non, pas toi. Pas toi, pas toi. Oh putain. Allez, viens, ça t'a. Boum. Oh putain. Bam. Respecte mon autorité. Un diamant, c'est pas trop demandé. Oh, là, c'est trop dangereux là. C'est trop demandé apparemment un diamant. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la quête? D'accord. Rien du tout vis-à-vis du fait que je, où est-ce que je peux se retrouver en fait. Donc c'est dépatouille-toi, rapporte-moi un diamant. C'est le diamant de la mort. Je pourrais jamais casser ces trucs là, donc ça c'est mort de ce côté là. Alors, peut-être qu'avec un pur hasard on va tomber sur un diamant, ça serait cool. Vous savez, un de ces hasards de fêtes de fin d'année, vous savez. Ce qu'on voit dans les films. Et non, moi à la place de trouver un diamant, je tombe sur du sable. Hop. Hop. Oh, quoique. Eh ben non, Blade Charge. Ouh. Le nom me plaît. Ah, je peux charger mon arme en fait. D'accord, je pense que c'était plutôt une attaque à l'épée, vous savez, une attaque un dash à l'épée en fait. Hop. Il y a du bleu par là, ça veut peut-être dire qu'il y a un diamant. Le mec, il cherche toutes les bonnes raisons de trouver un diamant. Hop. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose par là? Non. Là, non. Là, non. Là, non. Ici, non plus. Là, encore moins. Hop, non plus. Allez, viens, ramène tes fesses. Ah, j'ai raté. Putain, je l'ai cruellement raté. Hop les. C'est mieux de le faire avant qu'on se fasse toucher quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit diamant. C'est pas la mer à boire. Bah alors on tombe. Tu connais la chute de la blague? Sur le golfeur japonais. Meurs, charogne! Hop! Tout le monde connaît la blague sur le golfeur japonais de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un diamant. Merde. Est-ce que le jeu est au courant que je cherche un diamant en fait? C'est au hasard. Peut-être qu'on pense à lui mettre. On lui envoie un mail au jeu ou je sais pas. Est-ce qu'on peut faire comme dans Broforce? Prendre le lance-roquette.
Ah la vache, ça va être chaud. Ah. Hop là, je l'ai eu. T'aurais pas un diamant dans le coin. Genre là, là-dedans, là. Eh ben non. Moi, je comptais sur toi, moi, pour me filer un diamant. C'est ça, le truc. Ah, bla. Mais littéralement tombé sur la gueule. Bah, remarque, c'est mieux de tomber sur des machins comme ça que sur des espèces de pics à la con tout le temps. Là. Mais bon. Alors. La vache. Il a survécu, le sac. Que par là on va tomber sur quelque chose. Non plus. Enfin si, sur du vide, on est tombé sur du vide. Sur du rien. Donnez-moi mon diamant, putain. Par la poussière de diamant. Putain. Mon diamant. Oh, il y a du fer à chier pourtant. Oh. C'est une possibilité de trouver un diamant là-dedans, je sais pas. Ah bla. De trouver la mort aussi apparemment. Je crois que c'est ce que le jeu voulait me faire comprendre. Oh, puis il y a un coffre juste à côté. What? Qu'est-ce qu'il m'a vu? D'accord, c'est toi. Vas-y, ose. Eh ben non, fallait pas. C'est un flamethrower, c'est ça? Ouais, c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Challenge Portal Room. Alors, où les mecs? Ah bah voilà. Oh putain. Quelle belle mort. Bon, bah moi j'ai plus de pixels qu'avant. Eh ben écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode et que la prochaine fois on ira faire la mission. Tant pis, fuck it. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, nous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Bon.